Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Slime Rancher épisode 76 avec cette petite lampe à slime dorée que j'avais oublié de placer la dernière fois. J'avais pensé à la faire mais pas à la mettre là où il faut pour tenir compagnie à ce gros bonhomme. Ils ont la même couleur, ils vont bien s'entendre. Et du coup, j'ai placé toutes les décorations. Alors, on a une magnifique spirale délicatement irisée avec tous les slimes existants, parce que quel est le meilleur slime? Eh bien tous, sans la moindre exception, du petit rose au mielleux, en passant par le mosaïque et bien sûr le goudron, parce que tous les slimes, quels qu'ils soient, même le doré, sont amenés à devenir des goudrons. C'est la nature qui veut ça. Donc on est bien. Et ensuite, le restant des décorations, celles qui recoupent un petit peu de tout, des éléments de décor, des éléments célébrationnels, ou alors tout simplement des trucs au pif comme les décorations rayées et les décorations d'événements. J'ai tout mis autour de ce grand trophée, je l'ai décoré comme un énorme sapin de Noël. Je l'ai pas fait comme un sapin de Noël parce qu'on va faire les événements de fin d'année, mais presque. On pourrait presque considérer que c'est ça. Donc écoute, on est le 18 décembre là tout de suite, donc on peut aller chercher ce qui va bien pour faire ce fameux événement. J'ai déjà hydraté tous les drones, je me suis occupé du ranch comme il fallait pendant le très long moment qu'il m'a fallu pour mettre en place toutes ces décorations. On peut partir et se concentrer là-dessus. Ça fait mal. Alors accessoirement, l'abondance est là, mais c'est la date qui veut ça. On va l'ignorer, cette bombance. On n'a plus besoin d'elle. Nous, ce qu'on veut, c'est lui, là. Un slime scintillant et chantant. Peu importe l'éclat, tout n'est que scintillement. Et voilà, c'est fait. Alors c'est fait, c'est que le premier, hein. Ça va aller jusqu'au 30 décembre. Mais voilà, le slime scintillant donc, qui va nous lâcher des carillons. Alors on avait un fa, ça c'est un sol dièse, là c'est un si, là c'est un mi. Toutes ces choses là on peut les ramasser et on peut les utiliser, mais pour ça il faut qu'on ait un instrument, on ne l'a pas encore à disposition. Et toutes ces choses là sont récupérables, ça joue de la musique quand on passe dessus. Mais ça fait surtout de la belle décoration en ce qui me concerne. Mon seul intérêt, c'est la décoration qui en découle. Un goudron. Ouais, il est dans l'eau, il est pas dangereux. D'ailleurs, je vais me recharger un peu en eau. Voilà. Mais voilà, donc on peut les ramasser normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on va les laisser en place parce que ça fait joli. Pom, 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 pom. On rentre au ranch. Voilà, parfait, parce que ce truc-là est fait pour ça. Donc c'est censé durer pour tout le restant de la journée. Permettre de faire des allers-retours pour ramener tous les carillons ici. Mais j'ai pas encore l'endroit pour les stocker. Pour ça, il faut qu'on attende demain, le 19 décembre. Et cette fois-ci, le slime scintillant. D'ailleurs, oui, le slime scintillant. J'ai une entrée du Slimepedia pour lui, une vraie entrée. Oui, elle s'est rajoutée. Le Slimepedia était déjà complet, mais elle s'est rajoutée, elle est là. Et normalement, si j'absorbe un de ces carillons, que je remettrai à sa place dans la foulée, je devrais avoir une entrée aussi pour eux. Il est là.
Voilà, j'ai gagné le piano. Allez voir l'échangeur de carillon près de la maison du ranch pour changer d'instrument. On fera ça. D'abord, comme dit, je vais essayer d'en trouver un qui soit placé au niveau du sol. Comme celui-là, là, c'est très bien. Voilà, les carillons remplissent votre univers de musique. On ne va pas s'en servir. On va le laisser là, bien sagement. Mais du coup, tout le monde peut participer à la musique. J'ai l'impression, les poulets, les slimes, dès qu'ils passent dedans, ça fait de l'effet. Et du coup, voilà, on va quand même essayer d'avoir une belle vue. Donc là, ils s'enroulent autour de l'arbre, c'est très bien. Ça vient décorer les piles de pierre, les récifs coralliens. Et ça fait sagement le tour de... Je sais pas si c'est prévu ou pas, mais ça fait sagement le tour de mon épouvantail, de mon slime pouvantail. Donc, je suis content. Je suis content, ça respecte mes installations un minimum. C'est cool. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va rentrer quand même. Hop. Voilà. Et l'échangeur de carillon, il se trouve là. Voilà. Donc par défaut, j'ai ça, le xylophone. Très bien, et donc là j'ai le piano. Tu me fais la même avec le xylophone? Non, d'accord. Bon, très bien. Il joue la musique. On est bien. C'est prévu. Pourquoi? Ouais, d'accord. C'est en rechargeant la partie, il a dû péter les plombs et lâcher toute sa cargaison. Écoute, moi je vois pas de raison de laisser traîner ça là par contre. Bon, je vais quand même le ranger. Tu m'excuseras. Voilà. Et comme ça on peut aller chercher le prochain. En cette magnifique journée du 20 décembre. Et qui se trouve dans la carrière Indigo. Dis-moi que j'ai assez de jus. Voilà. Ça, on le brise, mais c'est juste pour le plaisir, parce que j'ai pas envie que ça reste traîné. Allez. Normalement, il est juste là. Très bien, et j'ai gagné le Glockenspiel. Impeccable. Voilà, j'imagine que le goudron aussi joue de la musique, mais s'il pouvait éviter, donc la rampe d'accès est décorée avec goût. Pareil pour le corridor là. Et globalement, ça fait juste un grand tour. Ouais. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Hop là, tu dégages. Ça ne va pas plus loin, il n'y a que ça qui est décoré. Bon bah écoute. Ça fait un air qui me dit quelque chose, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je le connais cet air. Je sais plus comment ça s'appelle, très sérieusement. Et je sais pas si je le fais dans le bon sens. Mais c'est pas grave. On rentre à la maison. Donc on a pu essayer le piano.
Allez, on va pouvoir essayer celui-là ensuite. Le premier, je sais pas du coup si c'était véritablement un xylophone, parce que dans le wiki ça s'appelle marimba, et je sais pas du tout ce que c'est, donc entre celui-là et le premier, je sais pas lequel est un véritable xylophone, parce que pour moi ça c'est un véritable xylophone. Mais ouais, pour moi ça c'est un xylophone aussi, mais juste pas le même matériau, donc bon, nous verrons bien. Et en ce 21 décembre, mes transitions ne sont absolument pas artificielles et surjouées. Mais toujours est-il qu'en ce 21 décembre, on retourne au tapis de mousse et on va aller beaucoup plus loin, mais en passant par là-bas. Ouais, non, il scintille parce qu'il est en train de... Il a fini de produire, mais... J'ai pas oublié une ressource à ses pieds. Allez, go! Pom pom pom. Toi, je t'ai oublié à un moment donné. Hop! Et le voici! Très bien, j'ai débloqué la boîte à musique. Et du coup, bon bah là, il n'y a pas d'arbre dans l'immédiat, à part celui qui est au milieu du lac. Donc c'est les champignons qui ont le droit d'avoir des guirlandes. C'est très bien. C'est très bien, c'est parfait. Je suis hypnotisé par la musique, mais honnêtement, je sais pas si c'est censé jouer à un air bien précis, et si on est du coup censé faire le parcours pour pouvoir jouer cet air-là. Mais écoute, moi, c'est... Je suis pas... Enfin, j'aime bien la musique, mais je suis pas un musicien dans l'âme, donc je me satisfais et je me complais déjà de l'aspect visuel que peut avoir tout ceci. Très bien. Et du coup, la prochaine journée se fera avec la boîte à musique. Voilà. Et hop, 22 décembre, c'est par ici que ça va se jouer. Faut juste que je m'ouvre la porte. Parce que ça se joue à l'entrée des ruines anciennes. Je peux fermer la porte derrière moi, vu qu'il va me donner le téléporteur. Comme ça, je garde les accès tels qu'ils doivent être, tels que j'en ai envie. Et le voici. Très bien, j'ai gagné un Kora. Je connais pas cet instrument, donc je vais appeler ça un ukulélé parce que je suis un... parce que j'ai pas de race comme ça, mais enfin, ukulélé, un banjo, peut-être, plutôt. Je vais quand même faire la différence entre un banjo et un ukulélé, mais... Écoute, l'entrée des ruines anciennes est encore plus belle comme ça. Moi, je suis bien. Avec le petit son de boîte à musique... Comme dit, je sais toujours pas s'il y a un air véritable qui doit se jouer et s'entendre. Ah voilà, ça je le connais par contre. Punaise, je sais plus... Je sais plus comment s'appelle le nom du gars, mais c'est dans la ferme de Mathurin, je crois, il y a des animaux. C'est quelque chose comme ça. Après, là, je sais pas dans quel sens ça doit jouer. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose. Donc ce sont... Il y a des vrais airs qui existent là-dedans. Mais faut réussir à les trouver, à les jouer dans le bon ordre aussi, parce que le truc là, je le fais dans l'autre sens.
Personne reconnaît. Donc, encore une fois, la beauté visuelle, c'est déjà pas mal. Et du coup, vu que j'ai débloqué le Korra, par contre, je vais l'équiper pour la prochaine fois, qui se déroulera dans la carrière Indigo, en ce magnifique 23 décembre. Et là où c'est vraiment magique, c'est qu'on va tomber nez à nez avec lui, rien qu'en passant par le téléporteur. Boum! Vas-y, fais ta magie! Non, il veut pas? Voilà, il faut que je le colle. Alors, j'ai gagné le chip tune. Ouais. Alors, ça n'a que décoré la partie là. La partie qui baigne déjà dans la lumière. Par contre, là, pour te jouer d'un air, faut être doué du jetpack. Hein. On va essayer la ligne droite là. Ouais. Je suis interrogation quant à la façon de jouer de ces notes là, mais encore une fois, un magnifique plafond de lumière s'offre à nous. Et j'en demande pas plus. On va quand même activer le chiptune. On se croirait dans la slimulation avec ça. Ça va être bien. Et ce coup-ci, on va partir très loin. Parce que ça se passe dans le désert de verre, juste là. Vas-y, chante pour nous! Alors, j'ai gagné du violon. C'est très bien. Flûte. J'ai plus de jus. Mais moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est quand même d'avoir une petite vue aérienne de la chose. Parce que là, je vois bien qu'il a redéfini les cercles de pierre, retracé avec ses carillons. Mais j'aimerais voir plus. Pourquoi je peux pas grimper là-dessus? Sérieux? Bon, après, en l'absence d'arbres naturellement présents dans le désert, en dehors des oasis, c'est les colonnes qui ont été décorées. Mais c'est pas vrai, ça. Faut vraiment que je prenne appui sur celle-là pour pouvoir me mettre debout ici, c'est dingue. Est-ce que je peux grimper plus haut encore? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est pas grave. Les cactus ont eu droit à leur carillon aussi, chacun un sur la tête. Alors, je ne reconnais pas du tout l'air. Je ne connais pas du tout l'air, mais c'est pas grave, écoute. Le désert de verre a droit aussi à ces petites lumières. Punaise, et même les poules là, en sortant, elles vont faire du bruit. C'est très bien. C'est très bien, c'est magnifique. Allez! On va envoyer du violon. Pour le grand retour dans les ruines anciennes en ce 25 décembre, jour de Noël. Je t'entends, je te vois. Tu
pourra jouer de la flûte ensuite, mais d'abord... Ouais, toujours pas évident de jouer les airs qu'il me propose. Mais écoute, c'est pas grave. Ça s'étend pas très loin. Mais écoute, les portes sont décorées, les piédestals aussi, les arbres, comme toujours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'entrée des ruines est très belle. Là-bas, j'ai mon filet à écho qui est ultra chargé et qui brille comme un phare dans la nuit. Mais on ne s'en occupera jamais, hein, de ce filet à écho. Il restera chargé à tout jamais. Ouais. Et ben, comme dit, je sais pas si c'est censé jouer un air à chaque fois ou si c'est juste censé me permettre d'avoir plus de matériel pour pouvoir composer mes propres symphonies. Personnellement, comme dit, je ne suis pas un musicien. Donc, je me contente du visuel qu'il m'offre là tout de suite. Allez, on quitte les ruines anciennes et les goudrons qui crèchent. Et on va alors jouer de la flûte à bec pour le 26 décembre. Retour au tapis de mousse. Pas très loin du téléporteur, en fait j'ai même le choix, je pourrais prendre celui des téléporteurs que je veux. On va partir pour celui-ci, parce qu'on aura un peu moins à marcher. Vas-y slime scintillant, éblouis-moi. Très bien, très bien, très bien. Les arbres de la jungle ont droit à leur guirlande, le contour des lacs aussi. Le toyo, le tronc évidé. On a moyen de faire quelque chose. Attends, je vais quand même faire ce petit plaisir vu qu'il y en a à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur. On va le faire chanter. Il y a moyen de faire tout le tour aussi de la falaise là-bas. Je vais me contenter de ceci. Voilà. C'était nul, mais il fallait le faire. Bien, 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 bien. Disparaît. Et comme toujours, je suis tenté d'essayer de jouer l'air qui m'est proposé, mais je sais pas si je peux y arriver. Celui-là aussi, cet air-là, je le connais. Et là, ça se casse la figure. Non, mais il y a des fois où il y a un début d'air. Peut-être que ça se fait dans l'autre sens. Non, je sais pas. Je sais pas. Juste la ligne là, c'est un... Enfin, la ligne là... La moitié de la classe, c'est un air que je connais. Je saurais pas vous dire le nom, mais je suis pas très... au fait des classiques, de la musique classique. Donc je connais certains airs, pas leur nom. Mais écoute, j'apprécie. Voilà. Et avec ça, normalement, on a fait le tour. On a eu tous les instruments. Donc il ne reste plus qu'à faire éclater les slimes scintillants restants jusqu'au 30 décembre. En commençant par le 27 décembre, qui va nous faire trottiner un petit peu,
trois fois rien. Ça va juste nous demander d'aller jusqu'à l'île des anneaux. Donc un petit bout de chemin. Hop là! Et le voici. Alors il y a les goudrons qui sont de la partie aussi, on va quand même les évacuer un minimum d'abord. Allez, disparaissez. C'est bon, on l'a eu. Et ils explosent tout seuls. Parfait. Bouc, bouc. Allez, oust. Voilà. Voilà, impeccable. Les goudrons, ils apparaissent comme si c'était normal pour eux d'être là. Allez, dégagez. Allez, hop, tu ne le mangeras pas. Voilà. Bon, très bien. Donc du coup, on a une petite vague là au-dessus. Mais rien sur le machin en tant que tel. Les goudrons sont envahissants, hein. J'essaie de voir si ça fait un air que je connais, mais là dans le tunnel ça ne me dit rien. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je connais peut-être mal mes classiques, mais sincèrement, ça ne me dit rien. En tout cas, le contour du lac est plein de lumière maintenant, plein de couleurs. C'est pas mal. Et les goudrons, eux, ils continueront de faire leur vie, d'être libres et de et d'infester le monde. Si ça les amuse, nous, on rentre. On rentre. Et ensuite, le 28 décembre, on retourne encore une fois dans les ruines anciennes. Je vais passer par l'extérieur. C'est bien de voir que les décorations, elles sont toujours là. Les carillons sont toujours en place, même si je m'amuse à bidouiller la date pour en faire apparaître de nouveau en express. Mais ils sont là et ils resteront là. Hop. J'ai assez de jus. Ouais. Et si je ne m'abuse, il est là en dessous. Voilà, je l'entendais pas, j'étais inquiet, mais il est bien là. Voilà, et les bubules, les précieuses bubules deviennent de la musique. Nous sommes bien. Est-ce que j'ai un meilleur point de vue quand je suis là-haut ? Bof, hein, on a des guirlandes qui passent au-dessus. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a en dessous, là. Hein. Hop. Ouais, je sais toujours pas quel air c'est censé jouer. Quoique, attends. Si, c'est la même chose qu'à l'entrée des ruines anciennes, on est d'accord. Bon. Je pensais qu'il y aurait vraiment quelque chose de différent à chaque fois, mais
Il y a des répétitions, des redites, c'est pas grave. Bis, quand on est satisfait d'un spectacle, on demande à ce qu'il y en ait un autre. Bis maestro. Et puis, ben, écoute... On est bien, hein. Les goudrons n'ont aucune chance, il y a de l'eau partout. On peut rentrer à la maison. Hop. Et enchaîner... Alors j'allais dire enchaîner, sauf que je viens de voir ça qui traîne par terre, c'est inacceptable. Et on va enchaîner 29 décembre. On va avoir mis ça à sa place. Voilà. Il a largué une autre cargaison ici. Là, décidément, les drones, ils aiment pas hein, quand je décharge, recharge la partie pendant qu'ils sont en train de travailler. Hop. Au moins, c'est rangé. Faudra que je refasse le tour du ranch en off une fois qu'on aura fini l'épisode avant qu'on démarre le prochain. Histoire de tout remettre bien en place et être sûr que tout roule. Hop, parce qu'il faut les hydrater, ces petits gars. J'ai envie de tout faire bien avant qu'on termine pour de bon. Et du coup, après cette petite interlude, cet entracte, comme je le disais, on enchaîne 29 décembre avec l'autre île. Enfin, petite île sur laquelle se trouvent des slimes scintillants, à savoir l'île des cendres. Allez-y. Hop là. Et il doit se trouver normalement par là. J'aurais pu passer par ici, ça aurait été plus simple. Mais que veux-tu? Vas-y, chante pour nous. Très 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 bien, c'est allé jusque là-haut. Il a placé des décorations jusque là-haut. C'est cool. C'est cool. Il traîne au milieu des fleurs de lave, au milieu des cristaux, sur les abords des cratères. D'ailleurs, toi, hop. Peu importe ce que tu contiens, ça ne m'intéresse pas. Cool. Très bien. Bon, par contre, je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-haut. Mais il y en a là-dedans aussi, fantastique. Yep. Non, il n'y a rien de plus là-haut, il y a juste les trois anneaux là. Ouais. Bon. Ouais. Comme toujours, je sais pas s'il y a un air caché dans les créations du slime scintillant systématiquement, ou si c'est juste des fois on a de la chance de... J'ai de la chance de le composer. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est joli. Allez. Le dernier, mais pas des moindres. Et celui-là, il pouvait pas être plus proche du ranch. Parce qu'il est juste là. Salut bonhomme. C'est l'heure du chant du cygne. Le chant du cygne, plutôt le chant du slime. Écoute, on va l'équiper histoire de les écouter faire.
Mais je m'attends à ce que ça fasse quelque chose du même style que quand on activait... Voilà, exactement. Ça fait exactement le même style de chant que ce qu'il y a quand on active les statues, que ce soit à l'entrée des ruines anciennes ou dans le désert de verre. Allez, vas-y, musique, maestro. Voilà. Et on va le garder équipé pour la peine. Est-ce que j'ai un meilleur point de vue que ça? Peut-être en prenant une grosse hauteur, mais en tout cas... beaucoup de cœur et beaucoup de feux d'artifice pour cette dernière interprétation. Enfin, les trois cœurs sont là, les feux d'artifice, je considère que c'est les éclats qui sont là, là par exemple. Ouais, une haie d'honneur. Une haie d'honneur pour la fin. C'est parfait. Allez. Ça sert à rien, mais on le prend quand même. Et du coup, ceci clôture l'épisode spécial événement de fin d'année, dans lequel on a condensé tous les slimes scintillants, toute la musique qu'ils pouvaient nous offrir. Une dernière petite chose avant que j'oublie, j'aurais dû le faire en début d'épisode mais c'est pas grave, on le fait à la fin. Dans les décorations, il y en a deux que je n'ai pas, parce qu'il est impossible de les obtenir actuellement autrement que par l'utilisation de codes d'édition d'inventaire. C'est la décoration slime lunaire pour aller en contrepartie avec le soleil. Et je crois que je l'ai loupé, elle est plus haute. Voilà, la décoration Monomi, l'emblème des développeurs. Ces deux-là, elles existent, hein, elles sont là. Mais il n'y a pas de date à laquelle la bombance nous les fournit. Ou en tout cas, s'il y en a une, elle n'est pas renseignée sur le wiki, elle n'est renseignée nulle part. On ne sait pas quand ça intervient. Donc à part en faisant de l'édition d'inventaire, on ne peut pas avoir ces décorations-là. Mais c'est des items qui existent, hein, on peut les obtenir, les dispatcher dans le monde et ils peuvent exister. C'est juste que faut tricher pour le faire. Et j'ai pas envie de m'amuser à bidouiller ça. Très bien, très bien, très bien. Bon, donc ouais, moi j'aurais été tenté de partir directement, maintenant que c'est fait, de partir directement quelque part par là pour qu'on puisse commencer le prochain épisode directement ici. Mais on commencera le prochain épisode directement ici, c'est juste que je ferai une ellipse pendant laquelle je vais m'occuper une dernière fois de tout le ranch, pas des extracteurs, juste m'assurer que les drones soient hydratés, que tous les slimes soient nourris correctement et que tout roule, histoire de se diriger vers le portail final, l'esprit serein, peu importe vers où il nous emmènera, on a laissé les choses en ordre avant de partir vers d'autres cieux. Vers l'infini et au-delà. Allez, à ciao, bonsoir.